Obsèques de Frédéric Mitterrand, ses trois fils et Mazarine Pinjot sous des faces au deuil. Ce mardi 26 mars, de nombreuses personnalités se sont réunies pour assister aux obsèques de Frédéric Mitterrand, qui avaient lieu à l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Parmi elles, figuraient Mazarine Pinjot, mais également les trois fils de l'homme de lettres, Mathieu, Djied et Saïd, dignes et unis dans l'émotion. Un ultime adieu. Ce mardi 26 mars, de nombreuses personnalités se sont données rendez-vous en l'église Saint-Thomas d'Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris, pour assister aux obsèques de Frédéric Mitterrand. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il a été construit sur l'ancien emplacement du jardin de la reine Margot, surnom de Marguerite de Valois, 1553-1615, est qui semblait être le choix idéal pour ce passionné d'histoire, friand des têtes couronnées, et grand cinéphile, a indiqué BFM TV. Lors de ses funérailles, Durant lesquels les invités ont pu entendre résonner des gospels de Lise Macombe, l'Ave Maria de Charles Gounod ou encore l'amitié de François hardy étaient présents trois fils, dont Mathieu qui a lu un texte au sein de l'édifice religieux selon BFM TV, mais également Mazarine Pinjot ou l'ancien ministre Jacques Lang. Pour rappel, à l'annonce du décès de l'homme politique, survenu le 21 mars dernier, les hommages se sont multipliés. De l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot à l'animateur Stéphane Bern, ils ont été plusieurs à saluer la mémoire de l'homme de lettres. A noter qu'un parallèle de ces funérailles, qui étaient ouvertes au public, une crémation dans l'intimité familiale aura lieu ces prochains jours. Mort de Frédéric Mitterrand, ces mots terribles à Jack Lane deux jours avant son décès, je crois que c'est la fin. Parmi les premières personnalités à lui avoir rendu hommage après l'annonce de sa mort, figure Jacques Lagne. Ce dernier n'a pas pu cacher sa vive émotion quand le Parisien lui a demandé de réagir à la disparition de Frédéric Mitterrand, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer agressif. C'est une amitié de 60 ans, indélébile. Je ne peux même plus compter les années, a réagi Jacques Lagne. Avec ma femme Monique, nous aimions passionnément Frédéric, a poursuivi l'homme politique de 84 ans. Il m'a appelé il y a deux jours. Sa reconnaissance m'a bouleversé, parce qu'il tenait à me remercier pour ma fidélité à François, Mitterrand, note de la rédaction. Il voulait me saluer, je crois que c'est la fin, Jack. C'était un moment douloureux, a confié l'ancien ministre de l'Éducation nationale dans les colonnes du Parisien. Avant d'ajouter, inconsolable, je ne peux pas en parler au passé.